Est-ce qu'à tout hasard, on n'en aurait pas un peu marre d'être con? Aujourd'hui, les amis, on va élargir notre culture générale, on va apprendre. Incroyable! Nous sommes sur Vrai ou Faux, un jeu dans lequel on va nous donner des informations et nous devons dire si c'est vrai ou faux. C'est la première vidéo de culture générale sur cette chaîne. C'est parti! Le lac Baïkal en Russie est le lac le plus profond du monde. Bah, ça commence bien, voilà. Bon, faux. Eh non, c'est vrai. Vous pourrez dire à vos amis que vous savez quel est le lac le plus profond du monde. Bon bah écoutez, c'est reparti. Et en vrai, j'ai vraiment envie de faire cette vidéo parce que moi, je manque beaucoup de culture générale et ça m'énerve. Du coup, j'espère qu'à la fin de cette vidéo, bah j'aurai la plus grosse culture de France. Le mot bookkeeper est le seul mot anglais avec 3 doubles lettres consécutives. Ouais. Wouh! Mon dieu, merci petit singe. J'ai l'impression d'être intelligent grâce à toi. Une femme a porté plainte contre un hôpital en disant qu'un scanner lui avait fait perdre ses pouvoirs psychiques. Non mais ça c'est un truc qui devrait aller sur jeanmarcmorandini.com. Ça va pas nous rendre plus intelligente de savoir ça. Écoute, ouais ça m'étonnerait pas. Bah voilà, merci Spion pour toutes ces anecdotes incroyables. Dans l'anglais ancien, le mot the s'appelait yeah. Non je pense que c'est du bullshit. Vous nous prenez pour des cons. La consommation de thé est plus élevée que toutes les autres boissons combinées, incluant le chocolat chaud, le café, l'alcool et les sodas. Mec, n'importe quoi, c'est faux, c'est sûr. Mais c'est sûr. Quoi? Mais c'est pas possible. Tu prends juste tous les fast-food de la planète, les litres de soda qui sont consommés dedans sont plus élevés aux litres de thé consommés n'importe où ailleurs. Bon, ok, 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 petit panda, t'as raison. De toute façon, j'ai jamais aimé le panda. Je propose qu'on aille faire plein de câlins à ces pandas pour leur remonter le moral. Le jeu Guitar Hero a apporté plus d'argent à Aerosmith que n'importe lequel de leur album. Ah. Non. Ma réflexion a été hyper courte. Non, Aerosmith quand même, ils ont vendu des palettes et des palettes. Hein. C'est limite si à l'époque t'achetais un Coca, t'avais pas un album d'Aerosmith avec. Hein. Ouais, mais d'un autre côté, Guitar Hero, le jeu, il est vendu 70 euros. Un album, c'est quoi? C'est 15-20 euros. Alors, je pense que c'est vrai. Allez, c'est vrai. Wow. Putain, c'est dingue. Bien joué, Aerosmith. En même temps, Guitar Hero, ça défonce. Bravo. Alors, à la naissance, un bébé pieuvre fait la taille d'une puce. Une puce. Non, je pense que c'est... Allez, c'est vrai, c'est la petite anecdote qui te laisse sur le cul. Et voilà. C'est dingue, ça taille d'une puce carrément. Le film Le Parrain a été tourné à l'envers. Je crois que c'est vrai. J'étais totalement serein en disant ça. Là, tous les mecs fans de cinéma, ils vont m'insulter. Y'a pas un film qui a été tourné à l'envers? Au pire, dites-moi dans les commentaires, ça me fera plein de commentaires. Ma vidéo elle sera mise en avant par YouTube et je ferai plein de vues. Ça c'est fait alors. Le Pringlesman a un nom et son nom est Julius. Ouais, en ce moment, je regarde la série Pablo Escobar et en espagnol, les J ça se dit Pringlesman. On parle donc de la mascotte qui n'intéresse absolument personne sur cette planète. Ce gars-là, Julius. Franchement, il a... avec sa moustache, sa coupe, moi je dis ouais. Moi je dis que c'est vrai. Bah ouais, monsieur, ça vous étonne. AC/DC a fait 21 musiques avec le mot rock dans le titre. Vu le nombre d'albums qu'ils ont fait, j'y crois. Vrai. Putain, attends, j'étais leur troisième chanteur, ouais. Moléculairement parlant, l'eau est beaucoup plus sec que le sable. Ça, c'est genre d'anecdote que j'adorais que mon prof de chimie me donne. Il m'en donnait jamais, d'ailleurs. Quand un élément est sec, ça veut dire qu'il y a peu de molécules. L'eau, c'est H2O, le sable, c'est S4B. C'est vrai. Ça me semblait possible. Bon, c'est le problème de ne pas avoir trop suivi les cours de chimie. C'est que tu oublies ce que veulent dire certains termes techniques. Tout ce qui reste de l'écriture de Shakespeare sont 6 signatures. Et aucune d'entre elles ne s'appelle Shakespeare comme ça. Franchement, ça m'étonnerait pas. Je dirais que c'est vrai, ouais. Yeah! Ça, c'est bon à savoir ça. Donc en fait, on orthographie totalement mal le nom de ce mec. Les fleurs de vanille fleurissent pendant seulement un jour par année. Putain, ça sauf, c'est une anecdote trop obvious que tout le monde sait déjà. Tous vos parents vous l'ont déjà faite. Je dirais quand même que c'est faux. Bah voilà, merci papa, merci maman de jamais avoir fait cette anecdote. Merci. 61% des chats préfèrent écouter de l'opéra que de la K-pop. What the fuck, d'où ton chat il a des goûts musicaux? Donc est-ce que ton chat est plutôt de ce style? Ou de ce style? Je danse pareil. Hein. Moi, je pense que l'opéra, ça les rend complètement ouf. Donc, je dirais que c'est faux du coup. Je dirais qu'ils préfèrent la K-pop. Et ben voilà. Et ben voilà. Je le savais. Au Mexique, les artistes peuvent payer leurs taxes en utilisant les artworks qu'ils ont faits. Ah ouais? Je pense que c'est faux. Mais si c'est vrai, c'est absolument génial. Donc, je ne serais même pas déçu de m'être trompé. Je suis pas déçu. Les tigres n'ont pas d'odorat. Ah bon? C'est faux, c'est une connerie, ça, c'est sûr. N'importe quoi. Yegor Letov a écrit son tube Pro Durashka en seulement une nuit avec 42 fièvres. C'est vrai, j'y crois totalement.
En cas de mauvaise conduite, la punition d'un policier thaïlandais est de porter un brassard Hello Kitty. Ça décribise un petit peu la police quand même. Je pense que c'est faux, c'est une connerie. C'est vrai ? Mais non! Ça va sur Jean-Marc Morandini. Bon, comme ça. En Angleterre, l'accent anglais est différent tous les 25 miles. Ah, c'est comme nous, l'accent du sud, genre Marseille, Toulouse, c'est pas le même. Eux, c'est ça, mais tous les 25 miles. Je crois que c'est vrai. Il me semble que c'est vrai, ça. Ouais. Ouais. Merci, papa et maman, de me l'avoir dit un jour. Un seul astéroïde peut contenir jusqu'à 20 milliards de dollars de métaux. Enfin, c'est bon de sa taille. S'il fait deux fois la Terre, ouais. 20 milliards? Non, je pense pas. Non, 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 c'est faux, je pense. Les astronomes guettent le passage tout près de la Terre d'un énorme astéroïde. Cela doit se passer dans les minutes qui viennent. Oh putain, faut que j'aille, mon pote, je partagerai l'astéroïde monnaie avec vous. Et voilà, j'en suis à la fin de cette vidéo sur vrai ou faux. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer comme d'habitude. Et c'est quand même pas mal du tout. On a appris pas mal de choses et ça fait plaisir, hein. Parce que d'habitude, on apprend rien, on est des cons. Si on fait une vidéo comme ça une fois par mois pendant encore 728 années, peut-être qu'on pourra gagner aux 12 coups de midi. Le Jean-Luc, là, il sera sur le cul. À la prochaine vidéo, merci d'avoir regardé. Portez-vous bien, ciao tout le monde. Peace.